Salut à tous, et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va Ça va très bien, toi Ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit peu d'explorer. On est l'été, on attend euh, un petit peu les nouvelles annonces de ban ou de pas ban pour le on standard. On explore en fait. On explore tout simplement, on attend euh, les, euh, les cartes d'Eldraine qui sortiront en septembre. Il y a déjà des petits spoilers, on va vous faire une petite vidéo très certainement dans pas longtemps pour en parler. On attend qu'il y en ait un petit peu plus quand même, mais c'est vrai qu'il y a déjà une dizaine de cartes, je crois. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez déjà un petit, un petit shot des, des préjugés. Un de spoiler, mais je pense là, que tout le monde veut un petit shot de spoiler Tout le monde ouais. veut un petit shot de spoiler mm, 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 euh, ouais. En plus, elles sont intéressantes les cartes, donc c'est cool. Là, Temur Creativity. Certains diront Oui, tout ça, on a déjà vu, vous avez montré. Alors, Alors non On l'avait dit, euh, le lendemain du, de la victoire de Red Duke, du coup, on l'avait présenté. Euh, enfin, le, oui, si, le lendemain. Euh, le deck du champion, du coup, qu'il avait gagné avec Temur euh, Creativity. C'est ça. Euh, en pionnière, sauf que nous on n'avait pas Xenagos sur Arena et on n'avait pas Guivre la Gouivre Mondéchine. Donc on avait joué un autre deck qui permet quand même de combo, mais c'était euh, moins. Euh... C'était avec Locus God et ouais. Sage de je ne sais plus quoi. Et plus France, des c'était vraiment ouais. quand même excessivement moins fort. moins bien, ça prenait interaction plus facilement. Euh, donc euh, on, on attendait d'avoir la vraie version pour la présenter. Et grâce à euh, l'Explorer Anthologie, eh ben, on a la vraie version avec les deux cartes qui manquaient pour le deck. Et sinon, le deck il est. Pixel. Ouais, C'est ah, aussi le, le choix des, des Français lors des dernières LEC euh, en Pionnière ouais. d'avoir joué euh, Temur Creativity. Donc il y a aussi euh, cette, euh, cette envie de présenter le, le deck des Français. Le deck est à son full power maintenant aussi en Explorer. On a exactement le même deck en Pionnière qu'en Explorer. On avait hâte de vous le présenter. Avant toute chose, n'hésitez pas à anticiper la confiance et à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager la vidéo autour de vous, à partager aussi dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça et on les lit tous. Vous pouvez aussi dérouler la description pour retrouver tous nos liens et nos réseaux sociaux en parlant de liens gros big up ultimate guard qui sponsorise cette vidéo qui sponsorise en fait cette chaîne euh, c'est la première nous. fois ouais ils nous sponsorisent c'est la première fois qu'ils ont mis en place en fait un code d'affiliation c'est-à-dire que dès lors que vous achetez des articles sur leur boutique eh bien euh, on a un intéressement dessus et ça nous soutient je vous montre par exemple un magnétique card case pour protéger vos cartes de collection les embellir et pouvoir eh bien euh, même les, euh, les montrer en fait tout simplement les oui. Comment on appelle ça quand tu la poses sur une étagère, ça a un nom euh, Les exposés Les exposés, bien ouais. sûr. Ça marche très bien pour les commandants aussi. Euh, alors ça rentre pas forcément dans toutes les deckbox, mais euh, mais pour les commandants de le commandeur ou de multi, c'est cool. Donc voilà, petit exemple de ce que vous pouvez acheter sur la boutique Ultimate Guard. C'est livré excessivement rapidement. Le lien, il est dans la description. Si vous passez par ce lien quand vous commandez du produit Ultimate Guard, il y a vraiment euh, pour tous les goûts évidemment et euh, pour tous les besoins en tant que joueur de cartes. Et eh bien là vous nous soutenez. Donc voilà. Merci euh, merci énormément. C'est la première fois qu'Ultimate Guard met ça en place. C'est la première fois qu'on va pouvoir entre guillemets toucher de l'argent sur l'intéressement des viewers. Mm. C'est-à-dire que ça ne vous coûte pas plus cher mais ça nous soutient. Donc vraiment euh, merci énormément Ultimate Guard d'avoir euh, mis ça en place. Et merci à vous si jamais vous achetez vos produits chez la meilleure boutique. Exact. En parlant de meilleure boutique, merci à Playing by Magic Bazaar. Code valépl 2023 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient aussi. Donc merci à tous. Euh, du coup, ce deck, rapidement, pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, euh, quel est le but Créativité indomptable. Euh, on va cibler deux euh, permanents, donc artefacts ou créatures, euh, peu importe si c'est l'un ou l'autre ça marche, et pour chaque permanent qu'on a ciblé, on les détruit et on révèle des cartes jusqu'à révéler euh, deux cartes qui partagent un type. Euh, enfin pas qui partagent un type, qui soit créature ou artefacts, pardon, et on les met sur le champ de bataille. En exilant du coup, euh, par exemple, des tokens de fab du miroir, euh, que ce soit des tokens trésors, les tokens créatures. Euh, les... En fait, le, aussi... le Pactol et Mirex qui mettent aussi des créatures. Le Pactol, voilà, qui fait des trésors. Euh, Mirex, euh, également Sokenzan qui peut faire deux créatures. Vous les ciblez. Euh, Typhon de requin aussi qui fait des créatures. Et vous allez trouver forcément deux cartes qui sont Xenagos et Guivre Mondéchine. Guivre 15-15 piètes, quand elle meurt, elle fait 3-5-5. Et quand elle est mise dans un cimetière, hop, à la place, elle va dans la bibliothèque. Qui dit qu'au début du combat pendant notre tour, on donne plus X plus X à une créature, X étant la force de cette créature et la célérité. Donc en fait, on attaque avec une 30-30 célérité piétinement. Euh, piétinement. Et généralement, ça suffit ça pour one-shot la Ça peut arriver très tôt comme et on ça. Et ça ne prend pas en Tibet parce que Xenago, c'est indestructible et parce ouais. que la Give Mondeshin, dans tous les cas, va laisser 15 de patates sur le board, se remélanger, donc du coup, pouvoir être réactivé. C'est là où la version Temur est beaucoup plus puissante. Et en plus de ça, la Give Mondeshin, quand elle est dans votre main et que vous la défaussez pour la mettre au cimetière, et eh bien, en fait, elle revient naturellement dans votre bibliothèque. Et ça, s'appelle peut être vachement ça. utile sur un Pactol par exemple. Mm. Euh, ce que ne pouvait pas faire non plus la version Izet. C'est pas un deck turbo-combo. Vous avez vu, il y a très peu de moyens euh, de jouer créativité indomptable rapidement ça passe que par Fable et par Pactole la plupart du temps ou par volande là où avant on avait des listes turbo combo qui jouaient des mines des nains là non on a un deck contrôle mm -hmm. qui veut donc du coup contrôler la partie aller en late game et ensuite assembler le kill dès qu'il a la fenêtre et l'opportunité classico exact voilà on a des contres négation faire disparaître on a impulsion qui permet d'aller chercher euh, les cartes euh, qu'est ce qui se passe quand on pioche sa combo alors qu'on ne veut pas la piocher Guivre on va la défausser avec Pactole euh, pour du coup euh, la remélanger, des des la cute, ça marche aussi. Et Xenagos, c'est un peu chiant, mais c'est pas trop grave qu'on le caste. T'as rancune volcanique que tu, qui te permet de le remettre dans le deck, tout simplement. Euh... Si jamais tu en as besoin. Oui, il y a rancune volcanique aussi, effectivement. Mais de toute façon, Xenagos, il est castable à la main. Il suffit mmh. d'avoir un petit trésor de pactole ou de Fable pour le caster à 5. On l'a déjà ça. vu en game filmé. Oh, ouais. Donc, euh, c'est pas très grave. Le pire, c'est Givre, mais il faut leur mélanger. Rapidement, dans le side, on a des kills euh, transformatifs avec Horror Briscoque contre les jeux Phoenix, euh, parce que c'est une carte qui est totalement incontrecarable, hein, Et donc, du coup, ça mmh. peut avoir de la valeur juste de décider ta combo, rentrer ton Horror Briscoque et être juste un isaac Control qui euh, va finir par avoir l'inévitabilité avec l'Horror Briscoque. Et tu peux aussi rentrer à Traxa. Je sais pas exactement quelle application ça a, mais euh, il y a des jeux peut-être contre les Très mid-range qui vont avoir beaucoup d'interactions des sorts d'exil et tout, tu peux juste swap dans une ça et faire beaucoup de value et qu'il est et tu ouais. es au contre contre un euh, gros aussi. Je pense que c'est intéressant, euh, peut-être de switch. Ouais. Non, puis contre un gros, tu fais au TK et mais en fait, tu le fais un tour de plus, tu un tour, tu, plus, un tôt, tour plus tôt en le faisant que sur un seul. Ouais. Euh... Ah, peut-être contre donc, mono euh, blanc, ça a peut-être de la valeur euh, donc ça peut être intéressant. Ben, genre tour 4, si tu as fait ça tour 3, tour 4, tu fais ça ouais. donc euh, je pense que ça peut être bien. Possible. Ensuite, on a plein de contres, deux disputes mystiques, deux bottes dédaigneuses, une négation. D'ailleurs, on va swap ça tout de suite. Euh, quatre volets déchiqueteuses. Hein, on veut vraiment tuer euh, créature blanc bleu euh, et qui soit un contre-ceramid. En fait, qui est ton solide. Un plus mauvais matchup. Euh, ouais. Et euh, d'ailleurs, est-ce que c'est pas mieux barrage lithomantique à la place de ça? Non, parce que c'est un rituel et contre Spirit tu veux jouer en éphémère. Ok, d'accord. Ça dépend euh... que tu tagues dans le format, mais si ça c'est pour Spirit et je pense que c'est ton pire voilà. matchup, tu veux dévoiler des chictos. Ok, ok. Et trois typhons de requins qui peuvent jouer euh, des kills supplémentaires et qui ne gênent pas avec la combo si on veut conserver la combo, puisque ça fait des tokens. Et que c'est un enchantement, donc c'est très bien. Euh, c'est parti ouais, ouais, très bonne decklist. On a aussi des Mirex pour euh, avoir un, un plan de jeu beatdown en Mirror. Enfin, c'est un deck mm -hmm. qui est très complet, qui a des matchups qui sont forcément défavorables, mais beaucoup de matchups favorables, et qui propose quand même une, une possibilité de play, une diversité d'angles d'attaque, qui en fait vraiment un des meilleurs decks du format. Go On est parti Qu'est-ce qu'on voudrait tag, là Le Ragdos Classico pour euh, faire la bagarre moi ouais. j'aime bien taguer le enfin le, le deck le plus représenté du format ouais, ouais, monogreen aussi il est euh, assez présent ouais, monogreen je pense que c'est un peu dur mais on a des contres, de la disruption donc euh... lui, lui n'interagit pas donc on, ouais. peut, on peut le on peut le turbo combo si, si on peut éviter de mourir nous notre combo derrière elle le elle, elle, ouais, elle, elle, elle on peut... le rase quoi on peut le raser le type Bah c'est keep un hein. pactole dans la créativité on va déposer ça. ça et ta, ta négation autour d'eux. faut juste Sur pas piocher Xenagos un peu chiant. Ouais, on va le faire. Là, as la main turbo combo, donc tu vas affronter un matchup non interactif, comme euh, typiquement mon over. Ça te permettrait de contrer Kiora, par exemple. Petite reste nickel. Alors, ah. j'ai l'impression que vous n'avez pas de son du jeu. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est pas S'il enlève Papactol, en vrai, on est bien. S'il enlève Papactol, il est bon. Oh, le Papactol. Mais il a enlevé Pactol, il a été bon. Hein. Petit conduit de vapeur, tranquillou. Hop, on trouve nos landes. Ça me plairait de jouer ça en papier, tu vois. Gratuité Ouais, je ouais. l'ai pas complètement ce deck-là, mais. J Moi, j'ai juste ça à acheter. Ouais, vivre. je pense que je suis dans le même spot que toi avec un Xenagos aussi. Ok, beau. J'ai un fichier bleu ou rouge, mais je crois que. En tout cas, j'ai tous les landes, ce qui est le plus dur à récupérer. Je crois que celui-là, on peut le mettre en bleu pour faire croire à quelque chose. Bon, il s'en fout. Il joue une glissade, c'est amusant. On a on une femme, on est bon. Hein on se croit euh... quoi, tour 4 Ouais, non, t'es bon, t'es bon. T'es bon, t'es bon. T'es bon, t'es bon. T'es bon, t'es bon. S'il bon, bon. si S'il attaque et qu'il n'a pas de bloqueur... Il est mort. Mais il ne le sait pas. Il, est... bah, il va quand même péter ta... ta fable, quoi. Donc il n'est pas tout à fait mort. Il n'est pas tout à fait mort. Non, on prépare la combo Ah! Alors, on connaît, hein, ouais. pression-disruption, c'est ce qui fonctionne contre notre Double paquet. c'est relou. Si tu sais en plus, on est vraiment euh, pas bien. Il joue Jundagro, c'est euh, assez donc, amusant. 4-3. Ok. Bon, là, tu veux juste faire passage-pass et rester euh, Negate ou Sokenzan up. Ouais. Et il a initiative avec Glissa, c'est ça? Ça, c'est initiative, ouais. Ouais, donc tu vas juste la chumper avec un coup de Sokenzan, je pense. Et tu pourras mettre deux cartes dans traqueuse. Tu pourras mettre ta 2-2 de plus une 1 un, un dans la traqueuse s'il attaque avec. Ouais. Bon, il va attaquer avec les deux. Hein. Je tente le double bloc. Ah Ça gratte au-dessus de... Il y a quelqu'un qui veut arriver dans ton... Alors, il passe sur le toit, visiblement. Dans ton bureau. Ouais, ouais. Hum... Comme ouais. il est impossible, il va lâcher un câble. Là, il y a un câble qui va tomber au milieu de nous deux. Je, je bloque comme ça Ouais, ouais. Comme ça, on sent pas si le sur Antibet. On l'a perdu voilà. en ouais, ouais. Mais je voulais passer à celle d'après, moi. Rapidement. C'est important. Ah, il pioche. Et du coup, il ne tue qu'une des deux. Ok. Pardon. Pourquoi il a fait ça Je ne sais pas. Pioche pas très bien. Ok. Après, on se prend en double discard. C'est pas évident. Bizarre ce qu'il a fait le type quand même, non Bizarre l'ambiance. Ouais. ouais. Mmh, mmh. 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 Ouais, je fais ça, je suis ravi. Ah, je vois, je vois là que tu es ravi. Et... Ouais, non, là, j'attends de passer à la 2. Euh... Une envie de se foutre en l'air, là, qui se dégage un peu de l'ambiance. Genre, je combat un peu, mais ouais, ouais. c'est dur. <laughs> Et à qui joue visiblement sur téléphone De par la lenteur On stigmatise trop les joueurs de téléphone. Tu sais que c'est une grosse partie des joueurs d'arène. Hein. Ah non, mais c'est pas stigmatisé, c'est que genre c'est moins pratique de jouer sur téléphone. Ah ouais, ouais. Alors, moi, je serais plus lent sur téléphone aussi. Tu les stigmatises un peu. Il y a peut-être un gars qui va te répondre dans les commentaires. Bon, allez, ça moi, demandé, je passe à Moi, je joue sur téléphone. On n'était pas morts. Hein. Bah, mécaniquement, on pouvait tuer en deux tours. Quoi. Et donc un gars va te dire, euh, moi, tu joues sur téléphone et je suis plus rapide que toi. Et le mec, il va te proposer un verre. Mais garde du nord avec vos deux téléphones, ouais, je vais pas y aller. Je n'ai rien à prouver. Je maintiens que on est quand même plus lent sur téléphone. Et ouais, si vous êtes si... très rapide, tant mieux. Mais si lui a quelque chose à prouver, pourquoi tu lui en donnes pas l'opportunité? Bah qu'il le prouve, mais à quelqu'un d'autre, ouais, c'est toi qui l'as stigmatisé. Ouais, c'est vrai, mais je stigmatise pas hein, juste. C'est un fait. Hein. <laughs> je, dis ça, Genre, je, je pense je que dis 90% rien, des gens sont plus lents sur téléphone. Donc, si tu es parmi les 10%, bien joué. Bien joué à toi. Mais, ah, voilà, mais sache que 90% des gens ne le sont pas. J'aime ce propos mesuré ah, ouais. pour, le, pour les joueurs de terrain. T'as vu des stats euh, sorties de mon slip hein. oh, Oui, mais ah, ouais. c'est important de mesurer le propos avec les stats du cul. Ah, ouais. Est-ce euh... est qu'on side contre lui Ah, ben on a beaucoup de side en plus. Hein. Non, non, on va pas side. Est-ce que tu veux juste des typhons de requin en fait Qu'est-ce ouais, que tu je, veux je pas voulais, Je voulais ça contre lui, mais. Non, mais je suis pas sûr que tu veuilles tes typhons de requin. Hein. Ça, ça tue pas, c'est bête bah Ça finira peu... par le faire. Non, non, je pense que tu veux garder toutes tes Garde interactions. Ouais, ouais, tu veux garder toutes tes interactions, enlever tous tes typhons, remettre Je pense que tu veux pas te sider contre lui. Ok. Ouais, C'est vrai que pour gagner, il faut juste pas se prendre discard. Facile. Ouais, tu, tu peux gagner aussi en te prenant discard. On, on l'a vu, Red Duke nous l'a montré. Ouais, ouais. En fait, là, on a pioché euh, des contre-nuls, euh, des parties de combo qui nous a discard. C'est ça. On euh, a pioché deck, la ouais. mauvaise partie de ton deck. Quand il a résolu ses drop 3, t'avais un, une negate au lieu d'avoir un mec 10 de pierre. Bonne main. pied bonne oeil. Mon pied bon oeil, petit écureuil. Tu veux pas. Ah oui, non, tu veux impulsion ardente. Tu veux rester voilà. up pour impulsion ardente Ouais, il a pas montré de tour 1, mais s'il en a, au moins, euh, je pourrais. Ouais. De toute façon, tout arrive d'étape après. On se Oh, ça, ça, on va se faire disquer. Euh, discarder bien fort. Ouais, je mais t'as impulse pour battre la discarde, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que tu fais maintenant ou est-ce que tant que tu en as pas besoin, tu la gardes plus tard pour aller chercher ce dont tu as besoin parce que là mécaniquement tu as besoin de rien d'autre? Je peux passer, ouais. Je crois que contre ouais. un jeu qui discarde, faut la jouer comme ça, genre attendre. Bah, en fait, tant que t'as pas besoin de la sélection d'impulsion <coughs> et que tu es en train de turbo combo, je pense pas que tu besoin d'aller chercher une carte spécifique sur Impulse. Ok, tu m'as de deux, sachant que si là lui te fait une discarde. Et bien dans ce cas-là, t'auras Impulse pour aller chercher la carte dont tu as besoin. Ouais. Je peux enlever ça. Ouais, et tu peux juste enlever ça, je pense. Hein. Ouais, juste ça. Comme ça, on pourra tuer son 2-2. Oh, C'est naze. Oh, C'est euh... pas, pas si mal, hein. Tu canales, tu tues la 2-2, et tu restes un peu le J'ai un peu le sub là. T'as un peu le sub, ouais. Ouais dans cette vidéo. T'as un, un peu le sep. Ouais. mais gros, on va le détruire. Oh, non, c'est juste euh, la première, euh, genre c'est bon, Pff, on joue pas, quoi. On ouais, a une main ok, ils ont enlevé les cartes ok, on a une main nulle. C'est pour ça qu'on joue en BO3. Discardé, il a tout gardé, lui. Vas-y. Bah, va euh... Je peux faire impulsion pour prendre un land aussi. Bah non, mais si enlève coup, il enlève impulsion, tu gardes creativity. L'idée là, c'est que s'il touche ta meilleure carte, tu peux aller chercher ton follow avec ton impulsion. Ouais. Est-ce que le play. Bah non, parce qu'il m'aurait enlevé ça. C'est vrai qu'on est le premier mercredi du mois, à midi pile. Ouais. Donc, du coup, il y a le. Il y a la sirène. Je ne sais pas si vous l'entendez, j'espère que non. Au pire, c'est pas. Si nous on l'entend et que ça nous gêne pas, je pense que ça ne ça gêne pas. Non. Là, j'impulse. Et là, maintenant, on va chercher ce dont on a <laughs> besoin. Bah, c'est pas grave, du coup. Et ce dont on a besoin, c'est un pactole. Hein Là, j'ai une créature. Là, une créature. Donc, ça. Ouais, mais trouver l'un des deux, c'est pas bien. Ah, bah, trouver ça, c'est bien. Ah ouais, mais si tu trouves Xenagos, t'as rien fait. Ouais. Donc, on, on prend pas le 1 sur 2. 1 sur 2, c'est ok. Bah, 1 sur 2, c'est ok si, si t'es sous peine de mourir, tu vois. Ouais. Mais si t'es bien dans ta partie et tout, euh, va en tirer le maximum. Pactol, directos. Et voilà, Et là ça commence à sentir bon okay. là cette histoire. Tu peux même l'entendre ton Sokenzan maintenant que t'as tes deux trésors. Ça te permettra de garder un trésor. Ouais, c'est pas faux. Et là on est bien. On va avoir de quoi gérer le reflet. 3-4 points. 4 Je crois que je gère pas fin de tour, hein. je vais vraiment garder Non, non, ouais, trésors, tu gardes si tout, je tout, bien sûr. Et surtout là, tu vas mettre 10 pierres à red si jamais il y en a une. C'est so, ok. Il va te prendre son pactole. J'ai vu hein le, le message que tu faisais. que tu fais Non, je vérifie juste. Ouais ouais. On bah c'est si le besoin de cliquer de pour voir en ouais. plus. Mais je voulais voir s'il y en avait d'autres. <laughs> deux autres, deux saisies. Ah, je me rappelais plus si la durée c'était celle-là ou la game d'avant. Non bon, je c'est jamais moi de prendre 5 discards en, en de game. C'est un, un truc intéressant. C'est format saisie dépensée, quoi. R après, pour l'instant, oui, oui, oui. Non, oui, si, oui. Si, ah ouais, tu lui laisses ça Ouais. Bah là, en fait, on a le mana pour faire combo protégé, euh, quasiment. Donc, euh... Ok. On n'est pas loin. Ok, c'est très mauvais. Euh... Oh là, en soi, c'est acceptable, hein de toute façon. Je le garde ou je fais ça je bottom hein, C'est vraiment trop mieux. Ok, ouais, je je ça. Dis, ouais, fais ça, ouais. Ouais bon, en plus tu prends le flashback donc... Ah non Quoi qu'attends Tu le remets dedans. Euh... Non mais il faut. Ah je préfère. Pas si mal. Ça me permettra de tuer ça. Je mets deux Oui, ça mange pas de pain. Oh je mm. raïs. Le pain ne sera pas mangé. Merde, non, il faut que je tue maintenant. Ouais, il fallait que tu tues maintenant. Si tu vas piloter, mettre... Bah du coup tu vas tuer. Ah non, tu, tu vas pas tuer Brisbank hein. Ah non, je vais tuer Jean-Racos. Euh, Attends, non. je peux lui proposer de payer deux pour voir. Et une fois qu'il paye deux, je tue ça parce qu'il va m'enlever de toute façon. Ouais, ouais. Bien vu. Alors, tu payes 2 Oui. Ok. Ouais, c'est sûr, il paye 2 là. Non, je recompte, hein, je recompte. Je, oh, je ouais. me permets de, de recompter. Mais permets-toi. Tu veux regarder le, le dessus du deck combien il a de cartes 3, ce 12 cartes. Maintenant, on assume qu'à moitié le, mmh. le plan complot. Oui, je pense que le micro n'a des... pas détecté ce que j'ai dit là. Il y a des commentaires euh, premier degré maintenant. Ah ouais Bah, il y a des gens qui disent en mode euh, quoi euh, C'est quoi cet algorithme là dont parle PL Attendez la vidéo. Oh, je vais hardcaster. Non, voilà. Je vais hardcasser ça. Ah, il non. ne peut rien y faire. Ah, mais tu vas pas hardcasser ça. Il, peut y... il a du vert, Il peut largement y faire. Genre, il a juste glissé déjà de base. Oh, par contre, tu le bourres. Enfin, de tout, on va faire un gros requin. On sera bien content. Ça nous ira très bien. l'air sympa son paquet en vrai. Ah ouais, s'il est full tap là, tu lui manges le brise -bank. Je suis une 5-5. Ah ouais, mange-lui le brise Et là. je permets de trucs, on s'en fout. Hein. Ouais, ouais, là, ouais. Oui, parce que t'as déjà euh, de quoi sur table en fait. Attends, ouais. il a pas attaqué Je fais la 5-5, pardon. Ah non, il va peut-être pas attaquer du coup. Bon ça, Il s'en bat les couilles. Ouais. Alors, lui, les signaux. Non, de... mais euh, il a pas vu que je faisais des trucs, il s'est juste dit que c'était lent. D'accord. Moi ouais, je pêche ma carte en plus. Oh la montagne. Oh le slug. Il gagne cette acquis. montagne. Mais il a perdu là. Ouais, tu coupes ton 5, -5. Trop bien. Sink sink. cinco. 5 Ah, il avait pas landé. Moi ces games là elles me régalent, tu vois. Oh la... le vol. Mais c'est pas un si, vol si. Mais si, si, bah, si, non, c'est si, pas si. un vol. C'est une game de ah, Magic fièrement remportée quoi. Ah, merde, je voulais. Attends, je peux juste regarder. Je voulais compter comment il avait de. Ok. Bah ouais, mais la disruption sans la pression, ça ne suffit pas. Non, non okay, je nous faire toutes les saisies du monde. Nous, on en a bien rien à foutre. C'est parti. Comme quoi, 3 discards en hein, 12 cartes. Mais euh, moi, je... ça ne sert à rien. Hein. Ça ne me... Ça me gêne pas tant de, de prendre 3 discards. Mmh. En fait, si jamais il établit Donc pas. Non, pas non plus. Hein. S'il n'établit pas une pression, je m'en fous un peu. Oui. Genre saisi si t'as rien sur le board, ça retarde les échéances, mais ça te donne mais, pas l'avantage. Mais t'as pas genre des fois de, un affect ou un désaffect de certains trucs Non. Genre quand tu joues contre Mull, t'es juste en mode OK, je joue Mull. Oh, complètement. Mais non, je t'ai vu hier elle vol Ah non, Absolument. je t'ai vu jouer contre Mull et être en mode Putain. C'est vrai que j'ai mordu le type. <laughs> pas mordu le type, mais t'étais pas content. Non, par contre, j'avais un sourire en coin quand j'avais l'eyeline banding dans mon deck. Oui, là t'étais content. Ah je t'ai ouais. Comme Gaëtan. Ah, c'est que c'est gardé ça. Non, non, je te jure, j'ai pas pas d En même temps, je ne fais que répéter aux gens qu'ils ne doivent pas avoir d'affect, donc forcément, à un moment, je m'autodétermine. C'est des beaux mots, ça, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire, ça. Je ne piperai plus mots. Allez, saisis. Oh. Bah, si. Mais si, il y a un moule en okay, c est en moule c'est légitime. Je mets fou. Hop là, ça, tu me le, tu me le laisses. Voilà. Tu te laisses remélanger la petite gouivre. Scotte sculpté, ah, c'est vrai, ça peut être chiant, pas si pas si mal. Bon, de toute façon, tu l'aurais remis avec Pactol dans C'est moule 5. Qu'est-ce qu'il raconte C'est moule 5 qui vous réussissent. Est-ce que lui, il a lu ton livre Oh, bah oui, il est bon, hein. il a lu mon livre rouge, 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 rouge. rouge. Oh, j'ai cru qu'il allait faire euh, l'ami euh, glissa. On garde notre rancune volcanique pour la Miglissa. Et là, juste, on va faire une petite fable. Hein. Attends, il n'a pas vu celui-là. Ouais, donc, on que je mette lui. Ouais. C'est la petite optimisation. Ça mange pas de pain. Ouais, ouais. Il y a des gens en regardant la vidéo qui se sont dit. Ah, c'est bon. ah, il fait plaisir quand même. Non, en fait, ils ont fait pause. Ils n'avaient pas vu ce long. Donc, c'est de la Play. Edit. Euh, oui, je n'avais pas. Ah bon. Pardon. La vidéo. <laughs> J'ai avancé dans la vidéo. Pardon, mais c'est trop bon. Pourquoi il attaque pas Pourquoi il attaque pas Pourquoi il attaque pas t'as mmh, bah, ça... combo là, quasiment. Enlève ouais, la gouvre aussi. Hein. Et ça aussi Bah tu fais pas combo là. Bah non. Ah non, il te manque un. Et oui. Bon bah, tu vas bientôt faire combo, c'est pareil. Ah, je pioche avant le, le truc, ok. Tu cherchais un max de land. Mais toi. tant mieux. Ouais, bah, je suis content là. Je te propose juste l'ampe détapées, Sokenzan fin de tour et let's go. Mm. Ouais. Comme dirait la célèbre toqueuse Je sais pas si vous entendez comment on fait ça. Je pense, ah. oui. Ouais, en ont un peu. C'est le bruit du poisson, ça. oh, oh, oh. Bon. Mais c'est son plan en PL. Il est, il est né pour ça. Tu comprends Il a choisi ce jeu pour faire ça. Mmh, mmh. Et il va quand même perdre en faisant ça. Pas de galère. Allez, crou donc avec ton... Euh, J'aurais dû la tuer. vas tuer. Pour, pour qu'il perde Jean Krakus. Ouais, je sais pas, tu es content de garder aussi un, une interaction pour son géant ou... Dans lequel il aura réinvesti du mana ou dans une, euh, ou dans une ouais. Glissa par exemple. Ah oui, il va juger. Oh, Je voulais le 36 bug là et piocher ma carte. Ouais, ah, ça aurait été cool. Ça arrive qu'aux autres, hein, les, euh, les ah bah bugs oui, de, oui. de 36. Hein. Est-ce que t'as pas le choix que d'aller. Euh... Non, oh, tu restes en défense faire. en vrai. Tu t'achètes encore un tour là en restant en défense. Hein. Même plusieurs s'il n'a pas de gestion à Kiki. Ouais. Kiki Bon là je vais faire ça sur le truc qui copie. C'est amusant, il joue Ragdos Midrange, mais splash vert pour Shao Desika. Euh, je suis pas sûr que ce soit pertinent, mais je pense qu'il y prend beaucoup de plaisir. Et j'avoue que j'aimerais je... bien aussi, tu vois. Mm. Il joue pas truc au cimetière à la place, il joue les, euh, les Briar Bridge Tracker, tu sais. Et il doit avoir genre un peu de place à la place de red pour des Show et des IK. C'est pas totalement débile hein, comme, comme plan. Non Tu crois pas ouais, les masques -moi, je Moi j'étais concentré sur euh, ce que je devais faire. Euh, ouais, bon, attention, punir quand tu fais ta tambouille avec des decks mid disruption, ça marche. Hein, mais... Non, mais il y gagne. Non, c'est pas ça que je dis. Justement, je dis qu'il y gagne pas au change par rapport à dos Midrange, mais que ça doit être vachement marrant. Ah, ok, j'ai pas suivi. Je... Et là, je tombe à bloquer. Non, je prends tout. Que je passe à travers discard si je pioche ma combo. Euh... À travers anti-bait, pardon. Ouais, mais est-ce que tu gagnes pas du temps à bloquer quand même la 4-4 si jamais il arrive à raser toutes si... tes cartes si il est anti-bait, ce qui a de grandes chances d'être le cas, ma combo ne le tue plus. Ok. Je pense que là on est... on est à ce stade et je bloquerai le tour prochain. Ok, ok. Si jamais je la pioche pas. Let's go Au cas où il est en Tibet. Ouais. T'as 6, c'est bon. Allez. Salut à qui Normalement, c'est bon. Et quand c'est bon, bon. c'est bon duel. Là. Très, très bon. Après, plutôt que d'essayer de cibler une de tes cartes, il peut cibler la givre, ce qui fait que tu te retrouves ah, oui, avec mais... 3 355, Mais tu n'es pas mort. J'ai Xenagor oh, et 355 et 355. Donc euh, voilà. Ah, il nous a pas laissé résoudre. Let's go Mais c'est pas grave, on a gagné. Bah parce que de toute façon, t'allais le destroy. Ouais. Bon, ça s'est passé comme ça devait se passer. Hein. Il a beau te disrupter, s'il met pas beaucoup, beaucoup de pression, toi, tu finis naturellement pour par top decker ou retrouver tes, tes cartes avec impulse. Ouais. Ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, euh, Solidus. Hein. Ouais, ah. c'est vraiment ça, un deck qui est très perdu de sa superbe, quoi. Je pense que tu t es, t es vachement moins bien contre des decks comme justement Spirit, qui sont très tempo et qui vont pouvoir juste interdire tes spells de résolution puissants et prendre rapidement l'avantage en en... Pas sur le board, quoi. Ouais. Là, ça m'a l'air compliqué. Contre mono vert, je sais pas exactement. Hein, je... On part quand même vite en combo. Et on a euh, deux negate, 3 faire disparaître. De quoi tu les elfes tour 1. Ouais, peut-être que Je pense que si, juste si tu tues l'elfe tour 1, déjà, ouais. ça le ralentit pas mal. Ouais, tu prends pas, pas le entre, 4, 4 tour 2. Danger des champs et, et impulsion ardente. Non, ouais. en fait, je pense que t'es bien contre mono vert en plus avec ça. C'est peut-être genre 50-50, tu vois. Au pire des cas. Ah, j'aime bien ce paquet. Mais je pense, mais que je peux... pense pas qu'on soit défavorable. Tu peux, tu peux un peu tout battre avec ça. Mmh. Bat ça bien. aussi, tu peux péter les artos en face si on a des vraiment chiants. Ça c'est cool. Bon, après, tu les donnes des permanents, mais. Ouais, mais ils sont souvent irrelevant par rapport à ce que toi tu vas faire. Ouais, il y a des chances qu'ils trouvent pas un cavalier d'épine et plutôt un elfe. Donc euh... donc tu peux tu peux aussi faire ça quoi. Parce que vous pouvez cibler les cartes adverses. C'est juste que bah, comme vous donnez un permanent euh, créature artefact suivant le deck que vous affrontez, pour éviter. Je rencontre Grisfang. Vous pouvez donner par Elion et gris tu du coup, C'était ouais. pas ouf, quoi. On lui a donné une bonne leçon, à ce type-là. Ouais, non, moi, ça me... D'abord, avoir toute la discarde du monde, ça ne suffit pas. Exactement. Voilà. Comme euh, on le signifie avec ce geste du doigt. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, et abonnement. Ré <laughs> Ré réseaux sociaux dans la description, avec notre chaîne Twitch Val, Pelle, Magic rien à FR. Et surtout n'oubliez pas, pas c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.